Et yo la famille, c'est Bentiago et aujourd'hui on se retrouve pour le player review de Sofiane Boufal. En 4 matchs, j'ai mis 10 buts et une passe D pour 150 000 crédits. Alors Boufal, vraiment techniquement, c'est le feu. Regardez, dès le premier clip, vous voyez un petit extrait tranquillement. Vraiment, les dribbles sont magnifiques. Alors, une qualité vraiment importante de Boufal, je vais très bien l'illustrer dans les clips, c'est la vitesse. 91 d'accélération et 91 de vitesse, c'est tout simplement parfait. Donc voilà, vous partez sur le côté gauche comme il est en ailier gauche. Vous accélérez. Avec son 97 d'agilité, vous pouvez très bien dribbler. En stade général de dribble, il a 91, donc c'est parfait. 95 d'équilibre, il tombe jamais. 88 de contrôle de balle et 91 de dribble. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus pour dribbler? C'est le joueur parfait. Je le préfère largement en agilité, je le trouve largement meilleur à Cristiano Ronaldo que j'ai pu tester en draft. Neymar et Boufal Tot, je pense que c'est à peu près pareil au niveau des dribbles. Après, en finition, je sais pas, Boufal, un petit manque de finition par moment, mais ça reste très très bon. Alors, en parlant de finition, il a 88 de finition, c'est super. En stade général de tir, il a 87, avec un 94 de positionnement, toujours bien placé, vous le verrez sur des clips. Sur un clip où je tire, le gardien la relâche et Boufal suit bien. Avec un 89 de puissance de frappe et un 82 de long shoot, j'ai pas réussi à vraiment illustrer cette stat. Vraiment, je préférais dribbler plutôt que de tirer de loin avec Boufal. Regardez tous les clips, il y a des dribbles. Je suis pas le meilleur skiller au monde, je sais pas faire fin. Je sais faire tous les dribbles, mais on va dire que je sais pas vraiment bien les exécuter. J'ai mes dribbles préférés, le ball roll, le spin, le Magedi spin, tout ça. Donc je les utilise plus que d'autres, forcément. Avec 87 de reprise de volée, ça non plus je l'ai pas illustré. 85 de penalty, je l'ai illustré un en match et d'autres en séance de tir au but. A savoir que comme j'ai fait 4 matchs avec le Boufal, j'ai fait une coupe avec et je l'ai gagné. Ouais, il m'a permis de gagner les matchs. Avec, vous avez vu une très belle équipe marocaine. Voilà, ça fait plaisir de faire des équipes qui changent un petit peu. J'hésitais à faire une Ligue 1, je me suis dit, une petite marocaine, ça fait plaisir. Alors en stade général de passe, il a 82 avec 86 de vision, 85 de passes courtes, 73 de passes longues, c'est très peu 73. On va dire que c'est pas un joueur fait pour faire des beaux centres et tout. Mais bon, et là, le plus gros défaut de Boufal, c'est le physique. 55 de stats général en physique avec un 38 en saut, 78, c'est sa meilleure stat, 78 en force. C'est normal 78, mais on va dire 44, pardon, 52 en agressivité, c'est faible. Donc voilà, il tient pas super bien sur ses jambes. On va dire que si vous n'arrivez pas à dribbler, le prenez pas. Parce que si vous voulez juste courir ou faire des centres et tout, Boufal, c'est pas un joueur qui va vous aller. C'est un joueur qui va se faire énormément bouger. Mais vous pouvez vous en sortir si vous arrivez à dribbler. Vous pouvez vous sortir du marquage des adversaires. Regardez sur cette action là, j'étais au milieu de 3 défenseurs. Et j'arrive quand même à trouver la frappe de loin qui était contrée. Alors, son prix sur PS4, c'est 160 000 crédits, pardon. Je l'ai acheté 150 000, donc voilà, ça fait plaisir. Et sur Xbox, c'est 134 000. Et sur PC, pardon, c'est 500 000 crédits apparemment. Mais bon, ça va être une erreur de futed. Voilà les potos, je vais vous laisser avec les derniers clips. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Bentiago, encore et toujours, pour la revue de Sofiane Boufal. Voilà un joueur que j'ai énormément apprécié. Le dernier clip, c'est un coup du foulard. Merci d'avoir regardé, les mecs. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!